Salut YouTube, c'est Gaga62, on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur Hello Neighbor. Donc on est là pour l'acte 2. Donc on est parti. Voilà. Voilà, on en était là. En fait on s'est fait capturer et il nous a... Voilà, je crois qu'il nous a assommé. Et on se réveille dans cette pièce. Donc on est toujours très petit. Il nous manque une chaussure et un orteil qui perd un peu bizarrement. Voilà, donc peut-être on est encore enfermé je sais pas. On va voir ça. Donc nous on se lance hein. Mais... Ok. On entend des trucs bizarres. Ok donc. Ah voilà. Ok, ça commence comme ça. Alors, donc voilà, en fait, ouais, je m'en doutais. En fait, ça, c'est pour faire genre qu'on... On aurait dû le voir par la fenêtre, il est passé par là. Non, on peut pas passer par la fenêtre. Donc ouais, il est passé par là. On va pouvoir retirer ça, non? Ouais, parfait. Par contre, j'arrive pas à changer d'objet. Par exemple, regardez, j'ai un objet, là. Je vais poser... Oh. Ah ok, ça tombe. On est arrivé. Voilà, excusez-moi, je me suis vraiment mis dans le noir parce que j'avais des reflets là sur mon écran comme Ah ok, l'échelle elle est là. Attendez, on va voir vite fait. Parce que franchement, moi j'aime pas trop quand on est dans le noir comme ça. Bon, un peu normal hein. Mais franchement, je préfère vraiment quand on est au jour Ah ouais, chaud. Ah ouais, l'échelle lui, la monte Ok, donc on est... Donc maintenant on peut... Non, on peut plus, on peut pas y retourner. Ok, donc maintenant on est là. Ok, ça marche. Donc... Ah, voilà. Sa maison, elle s'est agrandie. Par contre, je me demande comment il fait, si on va découvrir ou pas après. Si ça change quelque chose. Ok, donc on a direct l'échelle. Donc lui il est monte super vite les échelles. Là pour monter ça va être un peu compliqué. On va devoir trouver un moyen. En plus le truc c'est qu'on peut... Ah ah ah. Il est là. Monte à l'échelle. Troll. Sa maison elle a changé. Sa maison elle a changé. Il est où? Ça a l'air d'être bon. Ok, donc sa maison. Elle a un peu changé, pas non plus. Il a fermé des trucs à clé. Ok, il est dehors. J'aime bien les dehors. Lui. Ce qui me saoule, c'est la radio là. Quoi? Je suis pas là. Oh non. Ok, donc quand on meurt, on prend là. On nous a déjà vu, mais ouais, mais on a pas peur de spawn. What? 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 Pourquoi ça m'a dit de spammer comme ça? Je veux savoir pourquoi il commence à faire nuit. En fait, ça fait vraiment partie du jeu de mourir. Bah, de mourir, de se faire prendre quoi. Là, on peut plus se barrer. Là, le mec, c'est. Oh, il a tout fermé. C'est verrouillé de chez verrouillé. Les pièces, ils ont changé.
On peut pas se barrer, franchement, je vois pas trop où faudrait aller. Il nous a vu. On se barre. Ah ok, je suis dans un piège, ok. Il a mis un piège. Il a mis des pièges. Ah ok, il y a des pièges à ours dans sa maison. Je vais te rappeler ta table. Il est encore là. Il a l'air d'être parti. Ok, il est dehors. Oh non, il m'a vu, mais c'est une blague. Ok, donc je viens de trouver des jumelles là par terre. Je sais pas ça sert à quoi, mais à mon avis ça va servir par la suite. Donc là, on va aller dans la baraque. Oh, oh là là, gros plan sur lui. C'est trop dur. Le mec, il est là, il te course. Ah là, il y a un levier. Alors, quoi, faut. Je sais pas, ça sert à quoi. Ça me propose, j'appuie sur la touche. Ah, oh, ça fait rien. Mince, j'ai lancé mes jumelles. Ok. Parce qu'en fait, des fois, je reste appuyé sur R2 et puis bah du coup, je reste appuyé et dès que je lâche, ils sont mes jumelles. Salut. Moi, je fais de la course arrière. Non. Je marche dans ses yeux. Ok, juste ici, il y a un levier. Donc là, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Ok, il est là-bas. Il y a quelque chose à faire autour de la baraque. Là, tout à l'heure, j'ai vu, il y a des cadenas. Donc il y a un cadenas rouge ici pour se barrer. Les jumelles, je les ai perdues. Donc si c'était obligatoire pour continuer le jeu, bah, c'est un peu mort. Il n'y a aucune trace des jumelles. Hein. Ok, il est là-bas. Nous, on va bien faire le tour, chercher s'il n'y a pas des petits trucs à toucher. On va vraiment prendre tout ce qui bouge. Bah, tout ce qui bouge. Tout ce qu'on peut prendre, on prend. Là, il y a une balle. Un oreiller. Par contre, je m'inquiète vraiment pour les jumelles. Bon là va falloir aller dans la baraque hein. À part le compteur électrique, je sais pas si. Et du coup est-ce que si on fait ça. Quoi? Et il se déplace à la vitesse de la lumière, ça se peut pas là. Regardez où j'ai spawn. Donc c'est un flashback pour ceux qui ont pas vu l'acte 1. Quand tu meurs, ça arrive d'avoir des flashbacks. Sont plus ou moins flippants. Wow. Hop, allez, là-dedans quand même. Déjà à la base le garçon il y va juste parce qu'il est curieux. Hein. Moi je suis désolé mais tu t'avances à regarder par la fenêtre mais après tu fais plus rien quoi. Non mais regardez ce qu'ils nous font faire. On entend crier, on entend pleurer.
j'entends des trucs d'ambulance chelou. Ah ça, quand t'entends ça dans les manèges, t'es pas bien. Tu sais qu'après c'est une grosse descente. Alors ? Pas regarder derrière nous, non. Bon, j'arrête de bouger la caméra tout partout. Wow ! C'est violent, ça. Ok, donc lui, il a le droit de casser les fenêtres, mais pas moi. Quoi, mais une chaussure, ça lui fait rien. Ok, il sait que je suis là. Oh, c'est quoi ça? Tourne-le. Tourne-le. Il y a des pièges partout. Et en fait, si vous voulez, dès que j'entre dans la maison, ça fait, ça déclenche une alarme et il vient. Ok, normalement, la voie est libre. Bon, je crois qu'il est à gauche, là. On va vraiment attendre qu'il se barre. Et je crois que j'ai appuyé deux fois sur le bouton sans faire exprès. Ok, on va réessayer. Ah. Ok, il est plus là. Voilà. On peut pas le prendre, ça. Sinon, faut prendre un objet et le poser. Voilà. Oh, il nous a vu. Voilà. Oh non. En tout cas, on a quand même pris un tuyau. Et donc là, on va y retourner et on va aller voir l'autre côté de la pièce. Donc, regardez, j'ai élaboré une technique. On va casser sa fenêtre. Voilà, et on va passer par là. Donc là, il a attiré à droite. Nous, on se barre par la gauche. Ok, c'est bon, il est plus là. Ok, vas-y, on va se dépêcher de tout. Oh, c'est quoi ça? Ok, on va se cacher. Ok, donc on a trouvé une clé. Je crois que c'était plus... Ouais. Ça ressemblait plus à une clé à molette. Donc je sais pas si c'est une clé ou... On va regarder ça sert à quoi. Ouais, c'est bon, la voie est libre. Non, non. Je t'en supplie. Oh non, on s'en fout, on a la clé à molette. Le mec, comment il est choqué quand même, voilà. La clé à molette. Donc c'est fait exprès de mourir, hein. Franchement c'est fait exprès. Ah. Ah ok. Le mec complètement débile, il lance la clé sur... Donc c'est L1. Yes. Ça me fait plaisir quand on avance dans le jeu comme ça. D'accord, le mec est pas censé aller là. Je veux dire, j'y allais pas, je vois pas pourquoi il irait d'un seul coup. Ah, il y allait pas quand j'y allais pas. Pas censé savoir que j'y vais. Chelou ces installations quand même. Il y a des interrupteurs à chaque fois, je sais pas ça sert à quoi. C'est un requin ou... Wouah! Oh, il m'a fait sursauter! Ah, ok, tu recommences. Ok. Bon, c'est bon, je suis remonté, du coup on va prendre cette porte là. Attention, attention. Donc à mon avis le bassin où il y a une sorte de requin invisible, faudra y aller par la suite. Donc là. Ok, donc on est déjà bloqué. Ah, une lampe torche, on va la prendre. Toujours utile. Y'a quoi là? Ouais.
On va bien observer ce qui nous entoure. Hein. Ça pourrait servir. Ok, donc c'est pas là que le système d'eau doit entrer en jeu. Ah ouais. Il vient vite, hein. Pour le coup, il vient vite. On va se cacher là. Alors on va retourner voir si le système d'eau ça fait pas un truc chelou et on va à mon avis on va essayer de vider le bassin, voilà. Alors désolé de vous décevoir mais j'ai dû regarder sur internet, c'était vraiment trop dur. Et vous allez voir c'est vraiment dur. Donc en fait il faut aller là. Donc déjà ça c'est un peu compliqué. Et le pire reste à venir, donc faut grimper là. Il faut voilà récupérer. Donc c'est vraiment hop c'est R1, on est d'accord. Ah ouais non ouais, donc on le récupère pas, on l'active. Voilà, on saute. Alors là normalement ça a activé autre chose, on doit aller de ce côté là maintenant. Voilà le trou. Bah le trou, oh, qu'est-ce que je dis, le truc là il a pété. On prend le volant. On va aller prendre un petit bac. Enfin, c'est vraiment compliqué quand même. Parce que franchement, depuis tout à l'heure, je trouvais pas. Hop, on prend le bac, on le pose là. On saute là. Ah non, on va pas y arriver. Il va falloir en prendre un deuxième. Je vais aller en chercher un deuxième. Voilà. Bah, donc, on va poser le deuxième. Eh non, je l'ai lancé, je confonds les touches à chaque fois. C'est R2, voilà. On saute, on passe là. Et vous voyez maintenant qu'on est là, on va prendre ça. Vite, vite. Il arrive. Faut grimper là. Voilà. Et donc là, logiquement, l'eau, elle va se vider. Et on va pouvoir passer. Hop, je ferme la porte. Parce que je disais je serais lui, je m'enfuirais. Mais regardez, il a mis des grilles partout. Et en fait on peut plus se barrer. Voilà, il n'y a plus d'eau ici, franchement c'était trop compliqué. Oh, c'était un faux truc en plus. Oh, il avait quand même des grosses dents. Ouvre-toi s'il te plaît. Merci. Alors, ah, ouais, il y a la clé, il y a la porte à côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les lumières, je sais toujours pas à quoi ça sert. Là, on a un truc qui mène ici, ok, donc on a plusieurs portes. Ok, c'est un raccourci. On passe par là. Excusez-moi, excusez-moi. Dis pas que je suis mort de chute. Oh non. Bah, donc on va essayer de pas mourir. Oh, j'ai failli me louper. Eh, c'est quoi ces échelles dans ce jeu? Eh, comment on les descend? Ah, ok, donc là, il faut une clé rose. Il arrive. S'en fout, on a fermé. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? On va attendre un peu. Ok, il est dans l'herbe. On peut prendre la chaise, la poser là. Waouh, ok. J'aime pas la musique. Où sommes-nous? C'est quoi ça? Il y a une porte là. Fermée. Il y a une autre échelle qui mène. Ok, il y a un tuyau. Est-ce qu'il y a des. Ah, ok. Ah, on l'a plus notre truc. Faut le récupérer là. Il y a un système de radiateur, je sais pas quoi. Ok, c'est. Ah ouais, pour remonter ça va être compliqué. Ok. Wow.
Bon, je vais couper le temps de monter. Ok, on a à nouveau un flashback. Donc c'est parce que hors vidéo, j'essaye, parce que si je filme tout, il y en a pour plus d'une heure de vidéo. Et donc c'est pour ça que je fais des coupures le temps de chercher les énigmes. Ok, donc là on voit... C'est vraiment... C'est une histoire en fait, qu'ils essayent de nous faire comprendre. C'est le but des flashbacks. Donc on se rappelle dans les premiers flashbacks qu'on avait vu qu'il avait fait un accident de voiture. Qu'il avait pleuré. C'est peut-être sa... Peut-être sa femme en fait, vous voyez, qui est peut-être morte. Avec l'accident de voiture. C'est pour ça qu'on voit un truc d'hôpital. Et ouais, on voit qu'elle est... Ça montre qu'elle est morte, la courbe... Peut-être pour ça qu'il est devenu fou. Hein. Pour moi, c'est ça l'histoire. Voilà, donc j'ai dû me re-renseigner sur internet, mais cette fois, c'était vraiment impossible. On va récupérer la clé. Vite, vite, récupère la clé. Récupère la clé. Récupère la clé. Bon, c'est pas grave, c'est déjà trouvé. Donc vous allez voir ce qu'il fallait faire. C'était vraiment impossible. Donc maintenant qu'on a la clé et l'appel, donc l'appel en fait elle était à l'endroit où le poisson est mort. Et donc regardez ce qu'il faut faire. On a l'appel. J'ai encore fait n'importe quoi. Voilà. Il est où? Comment on fait pour l'ouvrir? Ouais, en fait, il suffit d'appuyer longtemps sur R1, voilà. Mais franchement, je galérais pour ça. Voilà. Donc, on a cette clé-là. Donc, cette clé-là, ça correspond à un autre bâtiment. Oh, regardez tout ce qu'il a mis. Regardez ce qu'on va faire. On va poser les clés juste là. On va prendre une caisse. Donc, on va la lancer sur la caméra qui est là. Voilà. On se barre. Bien sûr, les portes, quand tu les ouvres, en fait, ils s'ouvrent sur toi. Du coup, ça te fait... C'est trop tard, en fait. C'est trop tard. C'est ralenti, pardon. Parce qu'en fait, je suis concentré en même temps de parler. Ouais, l'échelle d'handicapé. Ça va aller. Hop. En fait, j'ai l'impression sur ce jeu, il y a plusieurs moyens de s'en sortir en fait. Là, en fait, c'est exactement. En fait, si vous voulez, je vais me cacher là pour vous parler. La maison en jouet qu'on vient de voir, quand on change quelque chose dessus, ça change quelque chose dans la maison. Donc là, en fait, on vient d'ouvrir la porte qui va nous faire accéder aux toilettes normalement. Qu'on retourne dans la salle de bain. Oh non. Et je suis sûr en fait il y a plein de moyens de s'évader. Vous avez pas entendu? Faut récupérer ce machin. C'est vraiment impossible à savoir. Ok, il est là. Alors qu'est-ce qu'on a à... Bon, c'est pas grave. Ok, donc il a mis des pièges à ours et tout parce qu'on passait sous... En fait le jeu change en fonction de ce que tu fais. Donc là il y a des caméras, il y a des pièges à ours. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre, regardez, le pantin. On va aller le mettre dans la maison de jouets. Et il va pop. C'est où qu'on doit le mettre déjà? Ouais, on doit le mettre sur les toilettes. Et donc maintenant on va retourner dans la salle de bain. J'ai pas vu qu'il y avait une porte.
Ouais, j'active toutes les caméras là. Hop. C'est bon, normalement il m'a pas vu. Ah ouais, c'est bon, j'ai eu peur, franchement, là c'était impossible qu'il me voie. C'est bon. Donc il est parti. On va attendre un peu. Il est en train de remettre en place les pièges, je crois. Regardez ça. Non, fallait récupérer le pied de biche sur le pantin. C'est pas grave, on va y retourner. On passe. Oh. Allez, les fenêtres se sont réparées. Voilà. Et regardez ça. Regardez ça. Magnifique. Vite. Et voilà, on peut se barrer. Ok, cinématique. Qu'est-ce qu'il fait avec sa tête? Ok. Je crois que c'est fini pour cet acte. Et donc voilà. Donc là, on est chez nous. Ok. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Et ciao.